Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu ne respectes pas ta femme. Et puis, pourquoi tu veux que nous, on te respecte? Ta femme avec qui tu as eu des enfants, tu ne la respectes pas. C'est nous, on n'a qu'à te respecter. Le respect perdu. Le respect qu'on avait pour toi, c'est perdu depuis le 17 juin. Si les gens n'ont pas les couilles pour te dire la vérité, moi je te le dis. Tu n'as pas de respect pour ta femme, nous on ne te respecte pas. C'est clair, comme de l'eau de roche. On en a marre à la fin. Tu veux qu'on te respecte? Va divorcer. Va divorcer avec Simone Gbagbo. Va divorcer avec Simone Gbagbo et reviens marié. Faut marier Nadi Bamba et on va te respecter. Là, tu es dans la légalité. Sinon, ce que tu fais là, c'est illégal. Va divorcer avec Simone Gbagbo. Parce que c'est ce que tu vas faire. C'est la suite des événements. C'est ce qu'il reste à faire. Divorcer avec Simone Gbagbo et puis marier en seconde noce Nadi Bamba. Et puis ce que Nadi Bamba va faire là, on va voir. Ce que Simone Gbagbo n'a pas fait, Nadi Bamba va faire ça et puis on va voir. Tu n'as même pas à quoi divorcer Simone Gbagbo. Ton électorat est divisé en deux. Tes soutiens sont divisés en deux. Tu n'as même pas encore fait divorce. C'est-à-dire que tu es venu présenter Nadi Bamba. Ça a déjà divisé les pro-Gbagbo. Mais maintenant, si tu divorces, combien de personnes qui vont te rester? Vous vous amusez avec le feu. FPI, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Ça va vous coûter cher. Ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous coûter cher. Non, les gars s'amusent quoi. Les gars s'amusent.